Pour le dépôt d'une activité H5P, il y a deux possibilités. D'abord, commencez par récupérer votre activité, donc soit sur h5p.org. Donc, vous allez sur le site h5p.org, vous vous connectez et ensuite, vous allez charger votre activité. Donc, j'ai ici mon activité H5P. Donc, on voit, c'est une vidéo avec commentaires et questions. Et vous noterez en bas à gauche, il y a deux outils, donc qui sont Reuse et Embed. Donc, cette fois-ci, on va utiliser Reuse. Alors, en cliquant, une petite fenêtre apparaît qui me permet de télécharger mon fichier H5P. Et par exemple, je le télécharge ici sur mon bureau. Et une fois que c'est fait, je vais voir apparaître sur mon bureau un fichier .h5p que je vais pouvoir mettre dans le formulaire. Si vous avez déjà un fichier H5P qui est dans votre page Moodle, c'est la même chose, vous le faites apparaître et vous utilisez le même outil en bas à gauche qui est Réutiliser ou Reuse en anglais. Et on obtient là aussi une option de télécharger le fichier sur le bureau. Voilà.